Tremblement de terre là, eh bien, pour nous faire connaître Port-de-Paix, c'est une commune qui est plus touchée pendant le passage tremblement de terre 6 octobre qui s'est passé. 9 personnes ont perdu la vie dans la ville, avec plusieurs centaines d'autres blessés, d'après responsable protection civile. On suivit un reportage, Louis-Nel Jean-Louis et Denis Jasmin, te préparé pour nous. 9 personnes mourir, plus passer une centaine d'autres blessés, plusieurs dizaines cas écrasés avec diverses institutions, c'est gros dommage, parmi eux, commissariat principal pour des PA, avec l'hôpital Immaculée Conception, hein. C'est quelques parmi divers dégâts tremblements de terre faits dans la ville pour des PA. D'après le coordonnateur technique protection civile là, José Riton, qui expliquait brigade protection civile, il n'y a pas de printemps, pour te porter assistance à la population, hein. Jusqu'à présent là, nous avons 9 morts. 9 morts, ça a gagné 8 ports de paix, gagné une sur Saint-Louis du Nord. Pour blessés, nous avons enregistré environ 250 blessés, donc blessés sous Port-de-Paix, blessés sous Saint-Louis du Nord, blessés sous Bassin Bleu, c'est ensemble zone ça, nous avons enregistré blessés. Mais fond de que sous affaire caille tout, il y a plusieurs cailles qui tantôt qui détruit, mais il y a un pile dans eux, c'est endommagé, endommagé, fissuré et on était en bonne situation, panique générale au sein de la population. Deux dans eux, c'est caille qui tombe sous eux. Après tout l'autre, c'est monde qui paniquait, qui était en l'air, qui a volé par exemple Saint-Louis du Nord, monsieur Kmourian, c'est en l'air lié, il suivait vivement et puis il a volé. C'était un affaire noir, il tombe en côté, donc malheureusement, nous déplorer comme une victime. Et encore, Port-de-Paix encore, c'est il y a plusieurs cas où c'est mon qui a volé l'escalier, c'est mon qui a chuté sous mine, donc c'est ça la situation. Message là, donc c'est dit, mon yo, pas paniquer, parce que actuellement là, il y a un réseau social qui a lagué message. Tantôt, autant de prison Port-de-Paix écrasée, prisonniers évacués, évadés, tantôt, autant de l'hôpital la crasé, moi pensais que ça cap diffusé sur les réseaux sociaux, c'est pour nous très 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 prudent avec eux, parce que pour jusqu'où y a là, nous pas contre le monde était à échelle, ça qui est passé pour tout le monde, pour dire qu'il a écrasé en pile, donc c'est pour nous être, nous pas paniquer. Remonter moral policier, assurer sécurité prisonnier, c'est objectif visite responsable direction centrale police administrative, là, Calanri Boucher dans le département nord-ouest. Là. Bon côté parle, directeur départemental nord-ouest, là, James Hiller, expliquer qu'il y a diverses mesures qui déjà prennent pour continuer à assurer sécurité la vie avec bien population. On fait des expériences par rapport à 12 janvier 2010, côté que nous apprenons en pile. Et ça fait que aujourd'hui, on vient partager l'expérience nous et sur instruction directeur général, là, vient renforcer direction départementale nord-ouest et direction départementale de l'Artibonite parce que nous connaissons que ces deux départements qui peuvent se toucher après ces islands, c'est l'Artibonite, particulièrement Gaumône et Port-de-Paix, Saint-Louis du Nord. Donc nous venons, il y a un souci pour nous capables de monter moral policier. Nous même comme policiers, il faut que nous gagnions un gros recul. Et même si il y a des gens qui sont traumatisés, nous même nous là pour aider la population. Il y a une tentative d'évasion. Mais professionnellement, les policiers de l'UDMO, aussi bien les policiers de la PENA et des policiers et administratifs, étaient prêts à disposition sans casse, sans blessés, sans mort. Nous sommes arrivés à faire près de 396 prisonniers retournés dans ces lieux. Donc, on est capable de remarquer que nous avons un pile dommage dans le niveau bâtiment. Mais il faut me dire bien que je profite de l'occasion pour me féliciter les policiers mieux. Parce que, en dépit de tout le fait que vous êtes sous choc, vous avez en pile situation, en pile pression sur vous pour vous occuper la rue, mais vous êtes arrivé quand même à continuer le service. Parce que vous regardez que dans le niveau et garde à vue, nous avons pris disposition, tout nous avons fait à la commissaire du gouvernement qui t'a voyé deux substituts pour t'attendre les gens qui étaient dans garde à vue, parce que y a des gens qui partent là vraiment pour des bagages qui étaient qu'à prendre pile temps, nous avons voulu aller. Et moun sa ou nou te kembe yo nan ontérieur ce que nous gagnons comme pour nous faire garde à vue. N'a pas rappelé sous l'ordre président républicain Jovenel Moïse, plusieurs entités dans l'État déjà mobilisées pour porter assistance à toutes victimes tremblement de terre qui passaient sous pays 6 octobre passé.